niveau tout à l'heure a fait vraiment vraiment une belle perte. Tu as légèrement l'impression. Voilà, c'est comme ça. Première participation de mes étudiants donc de Polytech Grenoble. Pour les étudiants, on est à charge bien de construire, de fabriquer un monocycle et de participer bien évidemment au défi. Qu'est-ce que je fais les gars? La première fois. Pas du tout. Allez, c'est parti pour lui. Allez, eh bien, en tout cas, ils sont bien nés, ces monoskis. Allez, croche! Je suis sûr, lors de leurs trois derniers mois d'études, les planches avec lesquelles ils font ce français, il a fait tout à l'heure 94 mètres! Oh là là! En premier run à 90 mètres, la mort qu'il a obtenue, c'est lui qui l'a conçue, ses petits camarades d'école. Allez, on reste bien dans l'axe. Alexis Chabat, ils ont la pression, les gamins, c'est leur première participation, bien sûr. Et ça va arriver très très vite dans l'eau. Ah oh là là, quelle belle. Un précédent de 88 km/h pour Alexis. Voilà, Antoine est bien ingénieur à Grenoble. Polytech Grenoble, pour être précis, conçu, un engin conçu par les soins de son équipe sur les trois derniers mois de son année d'études. 94 mètres sur le premier round, directement qualifié pour la finale. Et puis le Gamel, où le Bonneski a coulé de par le fond des combats. On retrouve les plongeurs de la FPGT du lac d'Annecy, ont retrouvé le Bonneski hier soir. Et allez, on applaudit pour Antoine, s'il vous plaît, pour Antoine. Vitesse 87 km/h, 21 mètres.